Oh, bonjour, bonjour, c'est Zéphré de la diaspora. Oh là là, je débarque sur un site. Il y en a des petites choses comme ça, mais ça c'est des trouennes, hein. Tu connais les trouennes, hein. Tu connais, hein. C'est fait comme ça les trouennes. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on met tout, ça fait le fumier, hein. Ça fait le compost, hein. Ah, tout ce qu'elle est taillée, on met ça dans un coin là. Ouais, ok. Il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est l'arbre qui est en haut là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les lilas, voilà. Et les branches ils commencent à descendre. Ici, je crois qu'on a du canopod. Si je ne m'abuse. Ça se mange, c'est très bon ça. Alors, il y en a encore là. Moi, je savais pas qu'il allait pousser. Je croyais qu'il allait jamais pousser. Il a poussé. Ici, on a de la mélisse. La mélisse. Qui sent la citronnelle. Ah oui, ça sent très fort la citronnelle. Et si on a de la motte. On a de la motte. C'est le bazar, mais on a de la motte. Et ça, c'est la citronnelle. Et ici, le quenopode, ici, je crois. Hein. Tu me diras si je me trompe. Si je me trompe pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Des fois, il ressemble un peu, je sais pas, comme des épinards. Je crois que c'est que n'est pas de bon arrêt. Bon, alors, la menthe, on a de la menthe ici. La menthe, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui poussent comme ça. C'est de la menthe. Oh, ben dis donc. Et ici, on a, je crois que c'est la consoude. Hein. C'est une grande feuille. On dirait que c'est la consoude. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a arraché quelque chose là. C'est la consoude. Ça faisait des fleurs, quelqu'un il a pris les fleurs. Enfin bref, il y en a encore plein de la menthe, c'est la menthe de Tchernobyl, elle va partout. Ah, c'est extraordinaire. Ici j'avais mes deux fèves qui sont en train de pousser. Tu vois les fèves comme ça, mais c'est pas chez moi ça. Moi j'ai planté comme ça, des trucs ça pousse. Il y en a c'est depuis des années, et il y en a cette année j'ai mis quelques fèves comme ça pousse. C'est marrant, ça va faire des fleurs. En tout cas, il y en a des choses là. Hein. C'est rigolo. Bon, mais tu vois, hein, il y en a de la verdure. Hein. Tu veux faire du thé à la menthe? Tu viens ici, tu récupères de la menthe, tu fais ton thé à la menthe tranquille. Il y en a encore une fève qui a poussé ici. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de rongeurs. Ils ne mangent pas les fèves. Il y en a des fèves qui poussent tout le temps. Dès que tu plantes, c'est un bon indicateur pour savoir des rongeurs. Tu mets des haricots ou tu mets des fèves. Si ça pousse, c'est que tu n'en as pas des rongeurs. Si ça pousse pas, c'est qu'ils ont tout mangé. C'est que ceux-là, ils mangent toutes tes affaires. Voilà. Donc, là, on a une plante vivace. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette plante vivace. Je l'avais commandée comme ça. Et elle repousse. Quelqu'un l'avait coupée, mais elle repousse. C'est bien. Oh, elle est belle, hein? Ça se mange. Miam. Maintenant, j'ai un truc qui est envahissant. Je sais pas ce que c'est. Comment ça s'appelle? Tu me diras dans la description si tu peux me dire. Les feuilles, c'est comme ça. Ça éloigne les moustiques, mais dis donc, ça rend la terre très pauvre. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein? C'est bazar. Maintenant, on a du liseron qui est devenu gros. Je crois que c'est du liseron. C'est pas beau. Enfin, bref. Et si on est chou calé, je crois que c'est du chou calé. En fait, j'avais un seul pied parce que tous les pieds étaient morts. Maintenant, ce pied-là, il est en train de se multiplier, je crois. Mais j'espère qu'il va faire des graines. Hein? Parce que s'il fait des graines, après, ça va repousser plein de choux. Il y en a plein de feuilles comme ça. Ça se mange comme tu fais cuire. Et tu touches, c'est comme du cuir. Trop marrant. Bon. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Là-bas, on a quoi? On a des figues qui poussent ici, les figuiers. Oh! Les figuiers, ils donnent des figues comme ça. Je ne sais pas si elles sont bonnes, les figues. Hein. En tout cas, c'est bien figuier. Il y a des figues. Mais lui, à un moment donné, il faudra l'éliminer parce que les figuiers, c'est très envahissant.
Ça devient gros bazar. Enfin, qu'est-ce qu'on a encore? On a des choses plus loin. Si tu veux, je rentre à l'intérieur. Alors, ce jardin, il est topoté. Il y en a plein de choses dedans. Tout à l'heure, on ira derrière. On va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Wow! Ici, il y en a des ronces, il y en a des rosiers. Il y en a un troène qui pousse au milieu. C'est très bien. J'avais jeté des branches de troène. Les branches de troène. Oh, on ne voit plus rien. Voilà, j'avais jeté des branches de troène ici. Les branches, elles repoussent dans le carré potager. C'est trop marrant. Un troène ici, un autre là. Ça va pousser, ça va faire des arbres. Oh, trop rigolo. Enfin bref, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un persil qui est géant, qui va faire des graines. Oh, il y en a des punaises dessus. Ah, au secours! Il a bien poussé, lui. Hein, il fait des fleurs. Oh, le persil fait des fleurs. Enfin bref, ici, on a de la sauge. Oh, c'est multiplié, la sauge. Il y en a beaucoup, hein. Oh, ah, ben dis donc. Oh là là! C'est dangereux ici, hein. Ici, on a, je sais plus si c'est de, je sais pas quoi. Peut-être que c'est origan, je sais pas. Je connais pas trop bien, moi. On a encore de la sauge ici. On a un petit teint qui est caché ici. C'est vraiment, là, c'est permaculture, hein. On a de la motte là-bas derrière. Tu vois, ici, de la motte. Et ici, encore de la motte. Trop marrant. Ici, ça s'appelle oseille veinée. Lui, il va faire des graines. L'année prochaine, ça va tomber au plein milieu de la sauge. Et ça va pousser des graines d'oseille. Ah, j'attendais que ça fasse ça. Parce que lui, il était dans le pot. Et je voulais qu'il sorte du pot tout seul. Tu laisses faire, il fait ses affaires. Ça, c'est vraiment la permaculture. En revanche, là, ici, j'ai un pied de... Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, normalement, ouais voilà, il doit faire des artichauts lui. Il ne veut pas pousser, hein. Il reste tout petit comme ça. Il est tout petit. J'ai la feuille comme ça. L'autre, ça fait la même taille la feuille. Et ça ne pousse pas. Parce que normalement, l'artichaut, c'est gros, gros, gros. Mais je crois qu'il y a une bestiole, peut-être un chat, il vient à chaque fois, il la casse. Il n'aime pas ça. Et il n'est pas content contre l'artichaut. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon. Trop rien d'intéressant. Bon, on va aller derrière, je vais te montrer un peu. Oh, il y a une petite rose qui va pousser là. Regarde ça. Ça va faire une rose bientôt. Oh, c'est mignon ça. Ouais, tu disais tout à l'heure, tu prends une prochaine vidéo. Attends, je vais te montrer un peu. Les figues, hein? Tu vois les figues, hein? Tu vois bien les figues, hein? Enfin, maintenant on va aller autre part. Derrière, et on va regarder tout ça. Bon, je te fais un gros bisou, je te dis à tout à l'heure.